Tu as un lien d'âme. Il y a quelque chose de fort entre vous deux. Relation d'âme-sœur, relation d'âme-sœur spirituelle, relation de flamme jumelle, relation d'âme jumelle. Peu importe le nom qu'on pourra lui donner. Là, pour le coup, il n'y a que les chaser qui aiment avoir justement cette étiquette pour savoir dans quelle relation nous sommes. La confirmation d'un lien d'âme. Intéressant quand même. Mais c'est aussi l'acceptation de conflits qu'il y a eu avec un homme qui a mis en lumière ta dépendance affective. C'est compliqué la dépendance affective quand on la vit. Parce qu'elle nous fait faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Elle nous fait faire tellement de mauvais choix parfois. Mais il y a quand même l'ange de l'amour qui est là. Mais tu te retrouves en fait malheureusement dans ce qu'on appelle ce triangle amoureux, dans cette triangulaire. Je te reprends. On te parle d'un lien d'âme, des conflits avec la personne que tu aimes, à cause certainement de ta dépendance affective, et en plus tu te retrouves dans une sorte de triangulaire. C'est jamais quelque chose qu'on désire, c'est jamais quelque chose qu'on veut être avec une personne qui n'était pas et qui n'est pas disponible, qui ne l'est toujours pas. Jamais, au grand jamais, on aurait voulu aller s'aventurer là-dessus. Pourtant, c'est ce qui vous est arrivé. Parce que l'amour est venu frapper à votre porte, à la tienne, mais aussi à la sienne, alors qu'à l'origine, on partait sur quelque chose de tellement plus léger. Et bah, ton autre, il est peut-être devenu papa depuis peu de temps, ou en tout cas, il y a eu en plus un bébé qui est venu se greffer à tout ça, ce qui fait que les décisions ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques mois, et que forcément, tout devient de plus en plus compliqué. Partie 3, je te parle du lien d'âme, d'une triangulaire, où en plus l'autre est attaché par soit une grossesse avec la tierce, soit d'un engagement qu'il avait déjà pas forcément prévu, mais qui s'est proposé à lui, et en fait il se retrouve pieds et poings liés. Mais du coup, il y a quand même eu des doutes pour toi, des doutes pour lui, et en fait vous avez mis de la distance, parce que je ne sais plus dans quelle direction je dois aller, je ne sais plus ce que je dois faire. C'est une personne qui, quand on voit ce nouveau projet, soit cette grossesse ou cet engagement de cœur, en tout cas, qui le maintient parce qu'il n'a pas envie de faire ses répétitions de schéma. Donc, il se retrouve dans quelque chose d'un peu compliqué quand même. Beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension dans ce que vous vivez. Beaucoup d'incompréhension en toi, surtout en lien avec ta dépendance affective. Et en plus de ça, on voit bien que tu prends tout à cœur. Tout ce qui se passe, tout ce que tu vis, tu le prends pour toi. Tu n'es pas totalement responsable de tout ça. Tu t'es retrouvé dans cette triangulaire compliquée. L'amour est venu frapper à ta porte et pourtant tu ne l'avais pas demandé. Se rajoute à ça des engagements imprévus de la part de la personne que tu aimes qui fait qu'il n'arrive pas à sortir de cette relation avec la tierce. Ça prend trop de place, trop d'ampleur. Il y a un lien d'âme, mais clairement, cette personne, elle a besoin encore d'expérimenter pas mal de choses indépendamment de toi. Ses propres blessures l'amèneront déjà vers une réconciliation. Déjà, toi aussi, va vers la réconciliation de ton enfant intérieur, de ne plus être dans ta dépendance affective pour être la personne la plus heureuse de ta propre vie. Il y aura une réconciliation, mais laisse le temps faire.